sais, c'est pas bien de conduire avec le téléphone à la main, mais je viens d'apprendre que Auchan aurait mis du Zénith Suprême en rayon déjà depuis 3 jours. Donc j'espère qu'il en reste encore. Je vais faire un petit saut vite fait et on se retrouve là-bas. Les amis, on vient d'arriver. On est au centre commercial de Auchan à Plaisir dans le 70. On va voir s'il reste quelque chose en rayon. Alors, je crois que c'est par ici. Ouais, alors qu'est-ce qu'il me reste? Il y a des coffrets. Il y a du coffret Zénith Suprême. Mais il n'y a pas de TB. Mais par contre, en coffret, il y en a pas mal. On va aller faire un petit tour par là-bas. Voir s'il y a quelque chose. Bon, j'ai trouvé d'autres petits trucs, mais pas de TB pour le moment et pas de vendeur. Petite peluche Pikachu, très mignonne. Puis coffret des crottes, il y en a quand même pas mal. Donc, pour ceux que ça intéresse, allez, on va trouver un vendeur là. Bon, bah, comme vous avez vu, il y avait des petits coffrets Zénith Suprême, mais j'en ai pas pris. Je suis à la recherche des petits ETB, et ça, il n'y en avait pas. J'ai demandé à la vendeuse, elle m'a dit qu'elle n'avait pas reçu encore. Donc ça m'étonnera qu'il en ait demain ici, peut-être mercredi prochain, à voir. Donc on va faire un petit saut chez Cultura et on va voir ce que ça donne. Allez, let's go, on est devant chez Cultura là, on va aller faire un petit tour. On espère trouver des ETB ou des petites mini-tines. J'espère pas regretter de pas avoir pris les petits packs, mais bon, s'il le faut, j'y retournerai. Allez, on va voir ça. Allez, petite allée, Cultura, comme d'habitude. Est-ce qu'ils vont avoir quelque chose? Bon, je crois que c'est foiré. Je crois que c'est foiré. Ils ont du Pokémon Go. Ils ont du Pokémon Go, du Magic, Yu-Gi-Oh! Mais pas de Zénith Suprême. Ok, bon, on va demander au vendeur encore comme d'habitude. Bon, pas de Zénith Suprême. Juste du Pokémon Go et comme un peu partout d'ailleurs. J'ai l'impression que cette série, ça y est, plus personne en veut quoi. Elle est blacklistée. Donc, je sais pas trop quoi faire là. Non, avec tous les petits ETB buggés qu'on a, qu'on voit un petit peu partout, bah, ça aurait été cool de tenter. Donc, on va. Je pense que je vais me remettre en quête, quoi. Je vais essayer de trouver un petit truc, essayer de voir, faire un petit peu de route, essayer de trouver un autre petit magasin, voir si on trouve un petit peu de. Si on trouve un petit ETB ou des mini-tines aussi, ce serait cool. Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle ouverture. Ça faisait un petit moment, ça faisait un petit mois qu'on n'avait rien ouvert. J'avais besoin de prendre un petit peu de temps pour moi. C'est aujourd'hui la sortie officielle de Zénith Suprême. Donc comme vous avez pu voir, j'ai essayé de faire les magasins hier, mais rien à faire, j'en ai trouvé, bon, uniquement des packs, mais pas de tri-pack, pas de TB, rien du tout. Donc j'ai eu la chance hier soir de pouvoir commander à la FNAC et j'ai été livré il y a une petite heure. Donc on va s'ouvrir cette petite TB qui est clairement magnifique. Bon, au niveau des cartes, pas de réelle surprise parce qu'on a déjà vu la plus grosse partie des cartes qui sont sorties sur V-Star Universe. Mais on espère sortir du lourd parce qu'on a vu qu'il y avait des ETB buggés. Donc c'est clairement ce qu'on vise. On va voir si on a de la chance. Parce que si on arrive à sortir des petites gold là-dedans, ça serait un truc de dingue. Avec le petit Lucario. Très joli. Franchement, très très joli. Alors logiquement, on devrait avoir 10 boosters vu que c'est une extension spéciale. Alors, le petit classeur comme d'habitude avec les différentes cartes. Bon, on va pas se cacher. Bon, tout ça, c'est les petites V, petites communes, petites V-Star, ok.
qui sont très sympas aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, le petit Evoli qui est super cool. Celui-là, il était dans les starter decks japonais que j'ai d'ailleurs. Et il existe aussi un petit Pikachu qui me semble qu'il va sortir dans le coffret Pikachu exclusif à Auchan. Lui, par contre, on a toutes les petites traîneurs signées qui sont, je les trouve vraiment magnifiques. C'est des petites cartes communes, mais bon, avec la petite signature, je trouve que c'est un petit plus. Alors, les traîneurs qu'on avait déjà dans V-Star Universe, bon, qu'on retrouve ici, qui sont magnifiques. Très, très jolis. Le petit Pika secret rare qui était dans la Precious Box. Bon, clairement, ça rend 10 fois mieux en japonais avec le petit contour argenté. Mais c'est une petite carte qu'on vise, qu'on espère avoir. Les petites GG. Galerian Gallery, d'après ce que j'ai compris. Parce que bon, ça change toujours entre TG, GG, enfin, bref. On a les autres Keldeo, enfin, Salarsen, toutes celles qu'on avait dans V-Star Universe, qui sont super sympas, très très jolies. Ici, on a la petite toile avec les 9 petites cartes. Hop. Qui sont quand même super jolies. Ceux-là, je les ai pas encore en japonais. Et du fait que ça coûte quand même assez cher, quoi. Donc peut-être plus tard. Ou alors on essaiera de la compléter en français. On verra. Les petites V-Star en alternative qui sont magnifiques. Elles sont super belles. Franchement, j'arrive pas à dire quelle est ma préférée. Il y en a des trop jolies. Tizacian, Darkrai. Les petites traîneurs alternatives, celles-là aussi qui sont magnifiques. J'adore celle de Chiren, celle de Irida. En français, c'est Nashara. Ok. Et non, elles sont très très belles. Même celle-là, elle est très jolie, je trouve. Et les 4 petites gold. Alors, j'ai vu des ouvertures de TB où c'était quasiment une gold par booster, donc des gros bugs. Je pense que, sincèrement, c'est le moment de les acheter si vous ne les avez pas, parce que les prix sont en chute libre du fait qu'il y en ait beaucoup. Mais clairement, je pense que ça remontera, parce que pour moi, les gens s'imaginent que tous les ETB sont buggés, qu'il y en a énormément, alors que pour moi, clairement, la série Pokémon a imprimé, genre, un exemple, hein, 300 planches de gold, ils n'en ont pas imprimé 10 millions, quoi, et qu'elles ont juste été mal réparties, quoi. Donc, c'est pas pour ça qu'il y en aura plus. Mais donc, en gros, les gens qui tombent dessus, bah, c'est jackpot, quoi. Mais elles sont magnifiques. Surtout en alternative comme ça, ça serait top de tomber dessus. Allez, on perd pas de temps, on continue. Alors, comme d'habitude, hop, là, la petite carte promo qui vient avec. La petite carte promo de Lucario qui est insane. Elle est juste magnifique. Vraiment très très jolie. Bon, le cadrage, pas fou, mais ça va. Ça va, j'ai vu pire. Alors, les petites énergies. On a 10 boosters. 3, 4, 5, 3, 4, 5. 10 boosters. Le petit jeton V-Star. Les petits jetons de jeu. Les petits dés. Jaune et noir cette fois-ci. Ok. Et alors, qu'est-ce qu'on a encore là-dedans? Alors, les petits intercalaires, les petits séparateurs Lucario qui sont vraiment très jolis. Rouge et bleu, quoi. Non, franchement, super cool. Vraiment très sympa. La petite carte. Le petit code pour vous, pardon. Hop. Et les petites sleeves qui sont, franchement, elles sont très très jolies. Très très belles. Allez. Let's go. On est parti. On attaque. On attaque et on croise les doigts pour avoir, je dis pas spécialement un ETB buggé, mais un très beau tirage. Allez, let's go. Donc a priori tous les codes sont noirs, donc pas besoin de chercher code blanc ou code noir. Tout est pareil. Petit code.
4. Allez, let's go. Donc, on commence avec Super Bonbon. Terra Club. Échange d'énergie. Tournegrain. Kenotor. Smogo. Tritox. Chakripan. Et petit GG direct dès le début de Guériland. Magnifique. Très 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 joli. Franchement, elle est magnifique. Hop, et non, pas de double 8. Un petit Luxray. Alors, petite sleeve pour la petite Guériland. Et ouais, ça faisait un petit moment que j'avais pas ouvert. J'avais besoin de prendre un petit peu de temps pour moi. Et je vous avoue que ça m'a manqué quand même. Elle est magnifique, elle est franchement superbe. Allez, premier hit. Le tout premier hit. On attaque le deuxième booster. Allez, let's go. Petit code pour vous, les amis. Hop. 3, 4. Et on est parti. Alors. Galégon. Ami de Sino. Ortide, Rocabo, Chakripan, Love Disc, Pijako, Yanma, en reverse, Igualta et on commence avec une petite V de Zacian. Zacian, très joli, très très joli, franchement, allez. D'ailleurs, je sais pas si. Je me rappelle pas l'avoir vu dans V-Star Universe, mais à tous les coups elle y était, mais je ne sais plus. Très très sympa, vraiment très belle petite V. Allez, on continue. Let's go. Quatre. Allez, petite énergie haut. Gravalanche, attrape Pokémon, Malamandre, Yanma. Scalpion, Krixik, ok, Pijako, Monsieur Mime de Galar, petite reverse et petit holo. Bon, ok, bon, on n'aura pas de TB bugué a priori, hein. C'est très très sobre pour le moment, mais bon, globalement. Les ratios sont là, donc on devrait quand même avoir de beaux petits hits encore. Allez. Ami de Issui. Ok. Vortante. Aspirateur perdu. Insécateur. Emolga. Manglouton. Seribou. Ah. Neuneuf. Métang en reverse et. Et petit Léopardus. Bon. Petit Léopardus. Rien de foufou, hein. Allez, sincèrement, moi de mon côté, je suis quand même, enfin, je pense comme beaucoup d'entre vous, hein, assez hypé sur cette série, même si je pense pas la faire complète, parce que bon. J'ai déjà commencé V-Star Universe japonais, donc c'est quand même des séries quasiment identiques. Donc on va pas se lancer dans 15 versions différentes, mais il fallait quand même que j'en ouvre quelques-unes. Enfin, que j'ouvre quelques petits, petites cartes. Merci Siri. Je sais pas si vous voulez m'aider pour trouver des golds ou autre, mais c'était cool. Groutan et noix de coco. Ouh là là, c'est qu'est-ce qui se passe là? C'est pas du hit ça, hein? C'est pas possible. On peut pas rester avec toutes les ouvertures que j'ai vues. Je peux pas rester que avec ça. Allez, let's go. Un petit peu de chance là. Allez, hop, petit code. On enchaîne.
Énergie, Luxio, chaussures de randonnée, Shimin. J'arrive pas à accrocher les cartes. Krixik, Galekid, Riolu, Etourmi, Keldeo, NGG, ok. Elle est, c'est une de mes cartes préférées. Franchement, dans les GG, elle est juste magnifique. Elle est vraiment très très jolie. Et petit Wailord, ok. Rien de fou en dernière carte. Mais le petit Keldeo qui fait plaisir. Magnifique. Très très joli. Et deuxième Galerian Galerie. Allez, il nous reste 4 boosters. Ce serait cool de sortir au moins une gold. Si je devais choisir, non, j'irai pas vers. Giratina est sympa, mais j'adore Palkia. Palkia, n'importe quoi. J'adore Arceus, pardon. Arceus, je le trouve magnifique. Allez. Allez. Alors, cette carte. True Brothers. J'aimerais comprendre ce nom, franchement. Je sais pas où est-ce qu'ils ont été le chercher, mais bon, bref. Otaria, Insécateur, Riolu, Manglouton, Cerebou, en reverse. Oh, le petit Nabil avec la petite signature. Ok, ça, très joli. On va mettre ça de côté. Et Yann Mega. Ok. Alors, sa petite sleeve pour la petite signature. Très sympa. Allez, petit code. Vous me direz en commentaire si vous avez eu l'occasion d'ouvrir des ETB et ce que vous avez eu. Est-ce que vous avez eu la chance de tomber sur des ETB buggés? Parce que c'est clair qu'il ne doit pas y en avoir des millions. Pour moi, vraiment, les cartes ont juste. Enfin, les boosters ont juste été mal distribués et donc. Il y a des gens qui vont avoir beaucoup de chance. Hop, Misterbe en reverse, Luxio et petite VMAX de Zeraora. Très jolie, elle est magnifique. Franchement, elle est canon. Incroyable. Cette petite carte est. J'adore Zeraora, déjà comme Pokémon, je trouve qu'il est trop beau quoi. C'est vraiment un très beau Pokémon. D'ailleurs, l'alternative qui était sortie dans Règne de Glace, si je dis pas de bêtises, est juste incroyable. Incroyable, elle est dingue. C'est une de mes alternatives préférées également. Mais c'est un Pokémon super cool, je trouve. Allez, Énergie Psy, plus que 2 petits boosters. Allez, il faut nous sortir un petit, une dinguerie là, au moins une petite Vestar alternative, ça serait cool. Meowth de Galar, Walmer, Lixie, Pyronil, Misterbe. Oh, oh, on a un petit en reverse, j'ai l'impression que c'est une traîneur. Yes, allez. Oui, Vitalité de Flo, elle est magnifique. Franchement, c'est une des traîneurs aussi pareil que j'adore. Je la trouve, la carte est juste incroyable. Je la trouve trop belle. Magnifique. Et on finit par un petit Igualta. Ok. Très, très jolie cette petite traîneur. Traîneuse plutôt. C'est une fille. Allez. Très très jolie, franchement j'adore. Elle est magnifique. Je l'ai même pas encore en japonais d'ailleurs pour compléter la série, mais elle est incroyable, sublime. Et sincèrement, hein, j'imagine même pas cette carte avec des bords jaunes quoi. Ça serait horrible. Allez, let's go. Le dernier booster. On attaque le dernier booster. Allez, on y croit. Faut sortir une petite dinguerie sur le dernier. 1, 2, 3, 4. Allez. Vestar. Échange. Escroco.
Céléroc, Miaouz de Galard, Walmer, Lixi, Écrapince, Scalpion, en reverse, Métamorph, très sympa. Ça me fait penser un petit peu au Métamorph qu'on avait dans Pokémon Go, mais très joli. Et rien de fou dans le dernier booster. Bah, comme je vous disais, hein, franchement, bon, tous les ETB sont pas buggés, donc, mais bon, les ratios sont quand même super sympas, quoi. Tu vois, franchement, on a eu une holo, on a eu deux GG, une VMAX, une V, enfin, la petite signature plus un dresseur. Ça fait quand même 7 hits sur 10 boosters. C'est plutôt un très bon ratio. Donc là-dessus, il n'y a rien à dire. Donc voilà pourquoi je dis que actuellement, si vraiment vous n'avez pas la chance de tomber sur les gold, les prix sont super bons, quoi, parce que je pense pas que ça durera ça durera longtemps, quoi. Donc quand les gens ils vont se rendre compte que finalement ça tombe pas autant que ça, parce que on va dire que les postes qu'on voit, bah il y a peut-être un poste sur une cinquantaine d'ouvertures. Donc non, très très joli. Allez, on se fait un petit récap. Alors, dans cette ouverture, on a eu le petit Volcanion en holo, la petite carte de Zacian V qui est canon, franchement magnifique. Le Zeraora VMAX, petite dinguerie, sincèrement. Elle est juste sublime, vraiment magnifique, trop jolie. La petite signature de Nabil. Le petit Keldeo en GG. C'est une dinguerie cette petite carte. L'illustration est insane. Le petit Guerriland, très joli aussi. Et on a eu la petite traîneur de Vitalité de Flo qui est magnifique. Franchement incroyable cette petite carte. Donc voilà, c'était aujourd'hui la sortie officielle de Zenith Suprême. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On essaie d'en faire d'autres très prochainement, assez rapidement d'ailleurs. Allez, moi je vous dis à plus tard. Allez, ciao ciao.